time that I see your face, it always makes me smile. Oh. And every time that I drive to you, it's always worth my while. So let me sing for you like the birds in the mountains do. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, grosse réception de colis, donc en provenance bien sûr de Chine, et que j'ai commandé au mois de décembre sur Gearbest. Donc tout est arrivé d'un coup, hein. Donc pour ceux qui ne vous inquiétez pas, hein, tout finit par arriver. Donc moi, ça doit faire plus d'un mois, hein, que j'ai commandé ça. Donc voilà, donc je vais procéder au déballage et je vais vous parler aussi, donc cette vidéo n'est pas que déballage, hein, parce que vous en fichez un petit peu de ce que j'achète, hein. Après je les fais en présentation, mais comme ça vous allez voir mes futures présentations. Et c'est des objets que j'achète moi-même, que je paye, que je reçois pas gratuit, donc je les achète et après j'en fais la promotion si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, bah je zappe tout simplement. Ou je déconseille aussi bien sûr, hein. Donc si c'est mauvais, je vais vous le déconseiller, comme tout ce qui est smartphone chinois que je déconseille, sauf bien sûr les modèles Xiaomi qui eux en usine ont une belle qualité de sortie d'usine, pas comme les autres. Donc petit rappel pour ceux qui veulent commander en Chine, hein. Donc je vais commencer à déballer, vous voyez j'ai peut-être, j'ai pas compté mais je dois avoir une douzaine de colis. On va compter ensemble, donc ça c'est le premier. Donc pour commander en Chine, donc faites comme moi, des commandes séparées. Donc faites des achats séparés, c'est mieux, comme ça vous n'allez pas avoir de frais de douane. Donc vous voyez, j'ai tout ça et je n'ai pas de frais de douane. Donc je vais descendre la caméra, comme ça vous allez mieux voir. Et je vais me mettre un petit peu dans le confort pour déballer tout ça. Donc ça doit être une lampe connectée. Donc une DIY Light qui était en promotion sur mon blog. Je l'ai acheté 8,50€. Donc je disais que vous devez faire des achats séparés. Donc je vérifie si tout est en bon état. Donc voilà une des lampes. Donc j'ai fait déjà la review de ça. Donc j'ai un peu éloigné l'éclairage, il y en a trop. Donc voilà. Ça pour ceux qui. Donc j'ai déjà fait le déballage de ça et tout. Donc je vérifie juste si c'est en état. Donc c'est pas cassé. C'est des lampes assez lourdes pour ceux qui connaissent. Donc privilégiez les petites commandes. Hein. Faites plusieurs commandes. Donc vous laissez pas avoir pour une petite promo ou quoi, de toute façon avec mes codes promo, ne vous inquiétez pas, c'est mieux de faire des achats séparés. Donc surtout prenez toujours en envoi gratuit, ça sert à rien de payer DHL qui eux DHL c'est sûr ils vont vous sucrer des frais de douane et ils vont même pas vous demander de facture. Donc évitez tout ce qui est DHL. Donc là c'est ça, je sais pas, Cara, je sais pas ce que c'est. Donc, hop. Ouais, donc, toujours en envoi gratuit. C'est gratuit, profitez-en. Ah, donc ça, c'est les switches. Switch avec support. Donc, modèle Akara. Donc, je vais vous en faire la présentation. Donc, c'est le modèle 2. Donc, parfait. Donc ça, je les ai payés, je pense, dans les 8€. Donc 8€ la lampe, 8€ ceci. Hop, on va jeter ça là-bas. Donc à chaque fois, il y a un petit mot de Gearbest avec la commande. Non, sur le switch, il n'y a pas. Mais ici, toujours petit papier avec la description. Donc on continue. Donc surtout aussi achetez, même si vous n'avez pas de compte PayPal, créez-en un. PayPal c'est tout à fait gratuit, c'est sûr, sécurisé. Donc vous avez toujours privilégié paiement avec PayPal.
Pourquoi? Parce qu'avec PayPal, vous allez bénéficier d'une assurance gratuite. Donc surtout, ne cochez pas dans les boutiques chinoises l'assurance. Ça ne sert à rien. Avec PayPal, c'est déjà compris dedans. Donc les 1 euro ou les 50 centimes que la boutique chinoise vous demande, et de toute façon, même si vous en avez besoin, certaines boutiques, ils ont le scrupule de pas activer leur assurance. Ils trouvent toujours une raison de pas vous rembourser. Donc s'il y a un colis perdu, ou il y a des assurances aussi qui existent pour les frais de douane. Donc si vous chopez des frais de douane, ben cette assurance-là est censée vous rembourser. Ben ne prenez pas, c'est tout du bidon, c'est juste pour vous faire payer plus cher. Donc c'est par expérience, hein, je vous parle, et c'est certaines boutiques que j'ai achetées dessus, et bien sûr je me suis fait avoir, hein. Bon, c'est avec l'expérience. Hein. Aussi un petit mot pour mes abonnés, donc merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Je remercie David qui m'a aidé pour mon blog, surtout que les personnes qui m'ont signalé qu'avec ADBlock il y avait des problèmes. Donc je me suis pas aperçu, pourtant j'ai pas de publicité sur mon blog, à part je ne sais pas, peut-être que les publicités se sont activées, mais je pense pas que j'ai de la publicité sur mon blog. J'ai regardé avec plusieurs sites et j'ai pas vu de publicité, donc je sais pas pourquoi le site blogueur me fait ça, mais bon. Mais désactiver ADBlock sur votre navigateur Chrome, c'est sympa. Donc ça aussi, je ne sais pas c'est quoi. Donc vous voyez, ça, quand on est en vacances au mois de décembre et on recherche les bons plans, ben on fait que commander, et comme on est fan de Xiaomi, on veut avoir le dernier objet Xiaomi. Donc ça, vraiment, je sais plus ce que c'est. Ah, l'enceinte. Donc ça aussi, c'était un bon plan. Donc l'enceinte Xiaomi. Donc je vais vous en faire aussi une présentation et un test. Donc vous voyez, c'est tout petit, je vous la mets dans la main. Et apparemment, il paraît que c'est une belle qualité de son pour sa taille. Bien sûr, hein, pas extraordinaire, mais c'est un bon son pour sa taille et une bonne puissance. Donc on remet dans la boîte. Hop. Donc je suis à combien d'objets ici? 1, 2, 3, 4 objets. On continue. Donc, et avec PayPal aussi, si... Bon, je continue un petit peu. Hein. Donc avec PayPal, si vous voulez renvoyer l'objet, ils ont un système de renvoi. Donc c'est un peu morflé. Ah, donc ça c'est une veilleuse. Donc ça doit être la 7e que je commande. 7e. Donc j'en ai 2, 4, 6, oui, c'est la 7e. Je crois que j'en ai encore une, si elle doit être là. Donc voilà, donc ça c'est GearBest pour le transport. Normalement c'est fourni avec des piles qui se trouvent ici. Mais GearBest pour le transport, il les enlève. Et ce que je sais, que ces veilleuses-là, ils sont vendus avec des piles. Mais j'ai eu qu'une seule fois un paquet avec des piles, ils ont dû oublier de les enlever. Mais bon, donc c'est ce qu'ils ont. Vous pouvez regarder, hein, j'en ai plusieurs. Hier, j'ai eu une panne d'électricité et ça m'a vraiment bien servi. Donc c'est très pratique, ça fonctionne bien. Donc c'est des bonnes veilleuses. Voilà, hop, au suivant. Donc oui, avec PayPal, ils ont un système où si vous avez un problème, vous pouvez renvoyer le colis gratuitement. Donc bien sûr, vous devez avancer les frais de poste, vous donnez le justificatif des frais d'envoi que vous avez payé à PayPal, vous leur envoyez, hein, vous le scannez, vous faites une photo, vous envoyez, et ils vous remboursent automatiquement les frais. Donc pour ceux qui ont peur d'acheter en Chine, bah avec PayPal, n'ayez pas peur. Donc ça aussi, je sais pas c'est quoi. On va regarder encore, je pense que c'est aussi un détecteur de mouvement. Donc les frais d'envoi, donc qui est très pratique. Aussi avec PayPal,
Donc si jamais ça peut arriver, c'est très très rare, hein. Moi c'est, ça m'est jamais arrivé un colis perdu, si juste une fois mais avec eBay, et c'était au tout début des ventes, et je connaissais pas, c'était un de mes premiers achats. Donc aussi ici, donc ça on l'a déjà vu, donc aussi une présentation comme je vais vous le faire par la suite. Voilà, au suivant. Le ciseau, hein. Aussi acheté de Chine en lot. J'en ai eu 7 pour 6 euros. Après, je suppose qu'on peut en trouver aussi par ici, hein, pas cher. Mais bon. De toute façon, ils viennent quand même de Chine. Donc ça, je ne sais pas c'est quoi non plus. Oui, donc avec PayPal, quand vous commandez avec PayPal, vous avez une assurance. Donc si vous ne recevez pas le colis, vous faites un litige, et si vous êtes dans votre droit, donc encore un capteur, donc ça j'avais fait la présentation il n'y a pas longtemps, donc si vous êtes dans votre droit, bien sûr, hein, il ne faut pas mentir, si vous avez reçu l'objet, vous avez reçu l'objet, donc il faut être correct et jouer le jeu. Donc avec PayPal, ils vous remboursent automatiquement les frais. Les frais. Donc ça devait être encore un capteur. Je me souviens pas d'en avoir recommandé autant. Mais bon, c'était en promo. Ça c'est. Hop. Ah, ça c'est un objet que je n'ai pas, mais comme les boîtes se ressemblent partout, donc c'est les détecteurs, le détecteur d'humidité et détecteur de d'eau, donc d'inondation. Donc ça, on le place sur le sol et il nous dit si y a de l'humidité ou de l'eau. Donc ça, c'est très pratique parce que j'ai une fuite d'eau à mon chauffe-eau et ma femme, par hasard, elle a vu qu'il y avait de l'eau à terre, sinon ça aurait pu couler, on aurait été travaillé et on aurait été inondé. Mais bon, ça c'est pratique, vous recevez une alerte à la machine à laver, vous mettez ça sous l'évier ou autre et ça détecte donc s'il y a de l'eau. Donc j'étais avec PayPal, hein, donc inscrivez-vous, c'est gratuit, bien sûr il vous faut enregistrer votre carte bancaire ou votre compte en banque, je pense que vous pouvez relier. Moi, j'utilise avec ma Mastercard. Donc, parce qu'avec ma Mastercard, j'ai aussi une garantie d'achat en ligne. Donc, ça, c'est pratique aussi. Ou sinon, vous pouvez avoir des cartes de paiement. Des cartes de paiement de certaines banques ou de la poste. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. Des cartes que vous pouvez mettre un certain montant sur cette carte, ça marche comme une carte de crédit, mais vous mettez un certain montant, donc si vous faites voler vos codes et votre carte, ben, ils ne savent rien en faire puisqu'ils ont juste le montant qu'il y a dessus que vous avez utilisé pour payer. Donc si moi je veux utiliser ça, donc ça coûte 8 euros, donc c'est une lampe Yeelight, j'ai pas encore ouvert pour voir si c'est en bon état. Donc si vous voulez acheter ça, donc vous rechargez la carte de 8 euros. Donc vous faites un transfert d'argent sur la carte de 8 euros. Vous payez l'objet et la carte, bien sûr, n'a plus de crédit. Et celui qui vous vole les numéros de carte, bah, il ne sait plus rien en faire. Et si vous constatez que le numéro est volé, bah, il suffit de demander une nouvelle carte et de recharger tout simplement. Encore une lampe. Ici on arrive, donc il y a un dernier gros colis, je pense savoir ce que c'est. Hop. Mijia, donc ok, donc ça c'est aussi la veilleuse Mijia, donc c'est la 8e. Donc c'est très utile, je vais en placer dans mes placards. Donc j'utilise ça comme passage, hein, pour pas allumer la lumière dans la chambre.
Comme ça, c'est pratique, ça réveille personne. On peut ne pas se cogner contre les objets. Et l'éclairage est assez fort et n'abîme pas les yeux. Donc c'est ça qui est bien aussi. Voilà. Donc je pense pour les commandes en Chine, oui, donc si donc privilégier les petites commandes, voyez, moi tout ça, j'en ai peut-être pour bon, on va faire le compte après, mais ce colis-là, celui-là, c'est le plus grand. On va regarder ensemble. Moi, je pense bien savoir ce que c'est, mais on va regarder quand même. Donc, ils ont mis l'adaptateur. Hein. Gearbest met toujours les adaptateurs comme ça. Ils sont pas très pratiques, sauf si vous avez certaines multiprises. Donc, ça rentre facilement dedans et c'est utilisable. Sinon, dans les prises traditionnelles, c'est pas le top. Donc ça c'est la brosse à dents connectée Xiaomi, la Soaker, donc la Soaker X3. J'avais mis en bon plan sur mon blog, donc je l'ai payé je pense 24 €. D'habitude elle est dans les 50 €, 55 €. Pendant les vacances elle était passée à 34 €, mais comme j'ai beaucoup de points, comme vous voyez je commande beaucoup, bah les points j'ai converti et j'ai eu 24 €, j'ai eu pour 24 €, j'ai pu déduire 10 €. Donc, vous voyez, il y a une boîte en carton. Hop, comme ça, la boîte est vraiment pas abîmée. Donc, ce sera une des seules boîtes qui sera vraiment pas abîmée. Donc, je vous ferai pas le déballage aujourd'hui. Donc, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Comme ça, vous voyez, petite présentation. Donc, au niveau des frais de douane, oui, donc privilégié. Donc, ça, vous voyez, 24 €, je dépasse normalement. Même si j'aurais payé allez, 50 €, ça dépasse le montant des 21 €. J'aurais eu facilement 35 € de frais de douane pour cet objet. Donc, et en Belgique, donc à partir de 21 € on est déjà dans les 30 €. Plus on monte, donc si on dépasse les 150 €, c'est là que on a la douloureuse, on est facilement dans les 80 € de frais de douane. Donc c'est pour ça, prenez en envoi gratuit. Privilégier les achats séparés. Donc faites plusieurs achats séparés, c'est mieux. N'achetez pas en des ensembles d'achats, donc sur votre privilégier les petits paiements. Parce que si par exemple j'achète la veilleuse, j'achète ceci, donc ceci, c'est des petits objets, ok, hein. Mais bon, si ça dépasse les 21 € et que la douane ben, les saisit, parce que là, ça va faire du volume. Vous voyez, si j'ai commandé tout ça en une seule commande, ben, j'aurais été douillé de plus de 30 €. Alors que là, j'ai payé le prix normal, j'ai pas eu de frais de douane. Donc, n'hésitez pas, faites des petites commandes, parce que je vois beaucoup qui commandent via mes liens et ils achètent beaucoup. En une seule commande. Et quand je vois ça, je dis aïe aïe aïe, il faut que je les prévienne. Mais comme j'ai pas les coordonnées et tout ça, je ne sais prévenir personne. Donc je peux juste voir tel objet a été acheté, mais je ne sais pas voir qui a commandé. Donc ça, c'est votre identité personnelle, c'est normal. Donc je ne sais pas qui est commandé, mais je vois le nombre d'achats effectués et par groupe. Donc si vous avez commandé tout ça en même temps, ben, je peux le voir que vous avez commandé tout ça en même temps. Donc ne faites pas ça. Faites des achats. Donc je vais le répéter. Hein, mais faites des achats séparés. C'est très important. Prenez l'envoi gratuit. Payez avec PayPal. Donc essayez de ne pas dépasser les 21 € d'achat. Si c'est des objets donc, qui coûtent plus cher, comme un appareil photo, une brosse à dents électrique, achetez en séparé et en envoi gratuit. Donc, de toute façon, vous inquiétez pas. Donc, sur 80% des objets que vous achetez via mes liens, vous allez avoir un suivi recommandé gratuit. Donc n'hésitez pas à acheter via mes liens aussi, visitez mon blog, ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous.
Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements et plus de conseils, n'hésitez pas à me le demander. Donc, je vais mettre le lien de mon blog, comme d'habitude, en bas de ma chaîne, en description. Donc, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. À la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger.